لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله نفيني اليمين لسوء اسماء الله فانه الله سبحانه وتعالى et Esther, nous commençons à nouveau les sons concernant Sifat Allah Rabbul Alameen, Panakimid Allah Rabbul Alameen. Mais quand j'explique chaque mot Allah Subhanahu wa Ta'ala, les déjà pour un Sifat d'Allah Rabbul Alameen, on peut dire Allah Subhanahu wa Ta'ala est Ar-Rahman, et bien prouve qu'Allah Rabbul Alameen est un Sifat Ar-Rahman dans l'île, et un attribut. Ar-Rahman, pitié dans lui. Quand nous dire Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami' est celui qui donne tout. Il n'a sa attribut dans lui. Al-Basir, Allah Rabbu al-Alami est celui qui trouve tout. Il n'a sa attribut trouvé. Alors, ça va l'attribut qu'il ne finit à prendre dans une leçon concernant Asma'Allah. Nous ne pouvons pas vous réapprendre ça. Nous ne pouvons pas vous révéler là. Quand nous disons, nous pouvons prendre ma sifat Allah. C'est un sifat Allah qui ne pas déduire par nous Allah Rabbul Alameen. Et puis ça va, et ça va sifat là. Et en général, un sifat Allah Rabbul Alameen, autre que ce qui nous vient à prendre dans le chapitre Asma Allah, en général, nous dire sifat Allah, c'est soit sifat de ce dal, ou bien sifat de ce afa'al, de ce action. Ça c'est. Allah Rabbul Alameen le sifat de ce zat de l'imam lui comme Allah Rabbul Alameen il décrit lui ou bien ben action qui lui fait par exemple Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant l'âme il fait une cause concernant l'âme c'est un attribut de ce zat une cause concernant ça le Allah Rabbul Alameen في الحديث كي نجمعهم الله سبحانه وتعالى لغيه إلا كيف يمكن أن يفعل هذا الشيء لا بعزالة أنت قد تكون كي نتشيني فيها الشعفين الأسماء والصفات بأنه الله بأنه طيب الله ستن شعفين كي نكبع جيب تو مسلمين نغاري كسبتي سلك على فلسوزم تو مسلمين في نغاري excepté celui qui a la terre vient sauver. Il y a beaucoup de monde qui se donne un certain attribut d'Allah. Comment se donner un certain comment se donner un certain je ne peux pas dire ça concernant Allah. Maintenant, comment les donner les filles ne peuvent pas aller pour commencer à interpréter. Alors nous nous disons, ne pas capable de dire Allah qui est Allah lui-même. Ne pas capable de décrire Allah qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas capable de servir un terme qui n'a plus respect pour Allah qu'à l'être sur Rasul lui-même. Allah est celui qui plus connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est celui qui plus connu Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est la personne fiée au corps. Il est la personne qui plie la amanette dans lui. Il est plus connu expliqué. Peine à personne qui est capable d'écrire nous Allah plus bien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peine à personne qui est capable d'écrire nous Allah Rabbul Alameen avec autant d'honnêteté que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit à certaines choses concernant Allah. Qui nous devoir? Nous devoir c'est répéter ce que le prophète vient dire. Nous devoir c'est répéter ce que le prophète vient dire. Tu vas me dater sur le camarade, c'est qui se trouvait, bah, toi, à qui croit, à Allah, comme ça, bah, moi, à midi, à concerne, à Allah, telles affaires. Il est correct. C'est déjà une petite chose qui, moi, ou à Abid, me dit, concerne Allah, qui, Allah, qui sera sur le bandier. Dis-moi une petite chose. Dis-moi une seule petite chose qui me dit, concerne Allah, qui, Allah, qui sera sur le bandier. Pour divergence, vous venez en toi avec Barbie Dati, les interprétés d'une façon ou d'une autre. Comme Allah sur la soul vient dire au bout de sa même. C'est qu'Allah sur la soul vient dire au bout de sa même, vous ne pouvez pas essayer à l'interpréter. Toute chose qu'Allah sur la soul vient dire, vient répéter
sans aucun interprétation par moi qui pouvait après pouvait interpréter ça, pouvait expliquer ça de la façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala sur la soul, jamais qu'il demande de croire dans sa façon. La première explication à vous dit, c'est quelque chose qui mentionnait concernant Allah, c'est qu'il appelle Nafsullah. Allah, ce nafs. Et le quelque chose, ce synonyme, c'est Da'atullah. Allah se garde. Est-ce qu'il nous croit dans un Allah qui lit nous, ou bien nous croit dans un Allah qui lit nous lit? Dans quel Allah nous croit? Est-ce qu'il nous croit dans un Allah qui lit nous lit? Non, on ne peut pas croire dans un Allah qui nous lit nous, non. Nous croyons en Allah qui lit, nous. Donc ça c'est une quelque chose qui est bien important. C'est comme on fait une compagne, du moins qu'il donne d'Aqidah qui dit Wahdatullah. Et même quand on dit Allah Kadou, quand Allah Kadou, comment vous dites, que tu bêtes, on trouve Allah. Que tu bêtes, on trouve Allah. Les guettes, les chiens, on s'en trouve Allah. C'est pas dit, qui en vérité, je n'ai pas fait honneur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est là. Tout ce qui nous oblige à témoigner, c'est la créature. C'est pas Allah. C'est pas Allah. Pas pour capable de trouver Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas capable de trouver Allah, le créateur, il n'est pas une créature. Une créature, c'est pas créature. Ça, c'est, on va dire, Aqida. Quand on est une façon de parler, nous n'avons aucun doute là-dedans. Nous n'avons aucun doute là-dedans. Alors, quand nous disons qu'Allah Rabbu al-Alamin li, Allah li, nous. Alors, il y a sa terme nafs dans la langue arabe. Par exemple, quand on dit anabi nafsi, dans la langue arabe, quand on dit anabi nafsi, moi par moi ça, moi qui me fais ça, nous servis sa terme nafs, moi. Alors, dans ton âme, Allah fait une service à t'inquiéter. Nafs, concernant, il veut dire Allah lui-même. Allah lui-même lui. Et comment il veut dire quelque chose connue de dire Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe qui, quelque chose qui nous dit concernant Allah. Est-ce qu'il faut à un certain moment nous comprendre qu'Allah lui paraît comme à nous, nous paraît comme Allah? Non, ça lui doit dire, ça lui-même. Il gagne une pense dans la façon. Donc, le Coran, Allah, il fait mention de nafs, mon nafs, moi. Et nafs, dans la langue, quand on dit dans ce signification, qu'est-ce que nafs? Quand on dit la créole, on dit nafs, c'est-à-dire moi-même. Quand on dit dans France, on dit la réalité d'une chose, quelque chose là dans lui-même. Quelque chose là dans lui-même. Alors Allah lui-même lit. Allah lui-même lit. Et ça, c'est quelque chose qui, on va le dire, peine à aucun doute là-dedans. Allah, il n'est pas nous, nous n'avons pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui-même lit. Allah, c'est lui. Alors le Coran, quand la table est vraiment sur les nafs, après que les nafs, c'est le thème qui nous dit, Dhatullah. Allah se dhat. Ben, on a fait une période de service à terme là, hein, il n'y a qu'il n'y a pas mentionné, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, parce que c'est un synonyme de qui dit nafs. C'est un synonyme de nafs. Nous ne pouvons pas dire rien concernant Allah, excepté ce qui sa terme nafs là peut indiquer. Et comment on va le dire, il nous fait une différence entre nom Allah par un nom et un cause concernant Allah. Quand nous faisons Allah, nous pas gagner le droit de nommer Allah pour un nom accepté qui est le tandis que cause concernant Allah, ou l'al-ikhbar al-Allah, cause concernant Allah, ça n'a pas différent. Nous capables de dire concernant Allah, un mot qui peut dire, même qu'Allah n'a pas d'invention de ça, sans qu'il nous appelle pas ça, non là. Sans qu'il nous fait servir, quand nous fait servir, nous fait appeler pour ça. Forcément, nous capables de servir ça. Voilà, vous faites référence à Ali. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Finir, Allah sozad, Allah sozad, Allah sozad, Allah lui-même lui. Allah lui-même lui.
ابن تيمية رحمه الله نجية، فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. Il n'a pas appelé Allah, il n'a pas fait Allah, excepté, par exemple, le asma Allah, al-husna. Ben non, d'Allah, il y a un mal ikhbar, un hum, quant à, et quand tu fais Allah, tu n'es pas capable de dire, c'est un mandir, qui va dire, pena de Qur'an, pena de Hadith, quand tu fais Allah, tu peux faire Allah, tu peux faire Allah, pour ben al-fabar, ben non, d'Allah, on vous l'alamin. Il y a un mal ikhbar, un hum, mais quand tu es cause concernant Allah, quand tu dois donner l'information à Allah, فلا يكون باسم سيئ. Ce condition c'est pourvu qu'il ne va pas servir un mot qui pas correct. Pourvu qu'il ne va pas servir un mot qui n'est pas correct. Voilà qu'il peut dire qu'on باسم حسن ou باسم ليس بسيئ. Pourvu qu'il n'a pas un mauvais mot, il y a un bon mot, ou bien il existe qu'il n'est pas un mauvais mot, ou il n'a mieux qu'à Bihusni. Il n'est pas nécessaire d'être un bon, il y a un joli mot. Mais pour lui, il n'a pas une mauvaise signification, mais il est chahi, ou d'art, ou d'oujou, comme un terme ou un chahi. Chahi de la langue arabe veut dire quitte chose. Est-ce qu'il nous garde à dire qui quitte chose? Ou dire Allah en quitte chose? Est-ce qu'il nous garde à dire Allah en quitte chose? Oui, le Coran, Allah va dire Qul ayu chahi akbar ou shahada, Qul illah. Quitte chose, Allah. Et ça, il mange, on est dans le bon. Alors c'est ça qui nous permet de dire. Nous avons servi le terme chose pour Allah Rabbul Alamin. Est-ce qu'il nous appelle Allah pour se passer à nous, pour s'appeler à nous, Cheikh? Est-ce qu'il nous dit Cheikh, c'est un nom Allah? Non. Nous avons fait un faux concernant Allah Rabbul Alamin en se servant de sa mot Cheikh. Et Dieu nous sommes capables de servir sa mot qui appelle sa terme qui appelle Dahat. Alors nous avons le Coran, quand ça peut mentionner Nafs, Allah sur Nafs. Le Coran, Allah Rabbul Alamin dit en s'adressant à Moussa alayhi salam, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Ô Moussa, mon choisis-toi pour moi. Mon choisis-toi pour moi, لِنَفْسِي, pour mon nafs, pour moi-même. Dans le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Allah Rabbul Alamin. Et bien, mes yeux t'envoient contre lui-même. Allah Rabbul Alamin, permets-le. Fais-je attention à moi. Fais-je attention avec moi. Dit Allah Rabbul Alamin, il ménage le Paksana pour lui-même, pour ce nafs. Donc, et ceci nous dit, le deuxième ayat du Coran, quand Allah a fait la mention de ce nafs, avec moi, il y a 100 qui nous ressemblent, qu'elle fait ça, nous ressemblent à Allah Rabbul Alamin, dans la langue arabe, il dit nafsi. Moi, nafsuhu, l'imam li, alors comme ça, le Coran, Allah avait dit, وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Le cas du Coran, Allah a dit, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Le Rabbul Alamin fait décrire le soukoub nafs, rahma, et dit, Allah a décrit, rahma, pitié, comme une obligation, comme une chose obligatoire, le soukoub nafs. Donc, le Rabbul Alamin fait faire mention qui est celui qui est le nafs. En d'autres mots, le celui qui existe, c'est pas croire à un Rab qui est irréel, ou bien d'un créateur, d'un Rab qui existe seulement dans, on va dire, dans l'imagination. Non, on croit d'un Rab qui vraiment il existe, mais réellement il existe. Alors la table fait la mention de ça, quelque chose là. كتب ربكم على نفسه الرحمة الله تعالى في الكتاب وسبحان نفس الرحمة جل تعالى سميك جاي في تي دا القرآن أقول الله تعالى يقول سنة عيسى عليه السلام الله تعالى جيا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الله تعالى بدمان عيسى أو عيسى jour Qiyama, est-ce qu'il te dit Diable Al-Jinou, prends-moi et mon maman comme deux divinités, en deux mots, ô Isa, est-ce qu'il te dit Diable Al-Jinou, prie-toi et ton maman, ô Isa, est-ce qu'il te dit Diable Al-Jinou, prie-toi et ton maman, oh la subhanaka ma yakoulu li an akoula ma laysa li bi haqqa. Isa al-Islam vous dit subhanallah, et subhanaka wa la kubiya, il n'est pas capable de quelque chose qu'on n'a pas qu'un droit à dire. إن كنت قلته فقد علمت سيبو تشاك سيبو تشجري بكل إدوار
si una regia tu cori ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsi wa Allah tu kun sikira de munaf de ni sida molekia mo kashet mo dia satu kokone wa la a'lam ma fi nafsi bo pa kun sikira de nafs wa Allah tu kun sikira de nafs bo pa kun sikira de nafs una ken la kun fa su kol tu bi dia kia de kuzi. Est-ce qu'Isa alayhi salam dans le tribunal Allah il déclare son aqidah, il croit qu'il est calcamaré? Est-ce qu'Isa alayhi salam il croit dans le qiyama, il propose avec Allah, c'est un dialogue qui prenait les jours du qiyama? Peine, c'est pas une aérie, c'est pas peine aérie, la sainte arrive dans le tribunal Allah. Et Allah peut raconter ça dans le Coran, il va peut raconter rire. Est-ce qu'Isa alayhi salam il croit d'être Allah qui paraît comme Ali? Non. Est-ce qu'il s'agit de dire mon nafs ou Allah mon nafs? Oui. Est-ce qu'il quand vous dire ou Allah mon alamé que l'alamé, mon croix d'un Allah qui m'a moi? Non, pareil. Mais pareil comme Allah mon nafs, il s'agit de salam mon nafs. Allah est la figure, il s'agit de salam la figure. Allah existe, il s'agit de salam existe, nous existe. Mais pas me dire qu'il nous comme Allah, Allah comme comment nous sacrer pour autant l'aime qui vient de dire que qui nous jalène à la main mais j'allais comme à toi Allah qui a tué à l'eau et comme a dit mais à baisser si ça argument qu'il y a avancé là finalement il y a peut-être tout qui te chose quoi dire finalement il n'y a pas quelque chose pour être non il concernant la pour la vie ni pas pour qu'il y a la vivant ni pas pour qu'il y a la existe ni pas pour qu'il y a la trouver ni pas pour qu'il y a la tendre. Et c'est ça qui a finalement un certain qui l'exagère dans la voie de Jamilia. Je ne démentis tout, non, tout attribué à la vie, je crois dans la vie. Ni le trouver, ni le tendre, ni le connaître, ni le pas connaître, ni dans le monde, ni en dehors du monde. Finalement, je ne crois dans la vie inexistant. Je ne crois dans la vie inexistant. Alors, il s'agit de la vie, je crois dans la vie. Je ne crois pas dans ma vie, je ne crois pas dans ma vie. Je ne crois pas dans ce qu'il y a dans mon nafs, dans mon intérieur, dans moi. Ou par contre, ce qu'il y a dans toi. Ou par contre, ce qu'il y a dans toi. Ou Allah, ou l'alamin, innaka anta allam ou yu. Certainement, de celui qui connaît, et dit, et la connaissance, et tout va très bien. Ça, c'est le Coran, la Torah, nous avons changé, ou les nafs. Le hadith Qudsi, premièrement, un hadith qui est connu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, Allah, ou l'alamin, dit, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أم الإسلام من ذكر ظلم لانزستيس حرام لو بقب نفس ومن موا من ذكر سا حرام لو ما بجيب بفير ظلم ما بفير دومينية ما الذي فلا تظالموا. أم الإسلام بفير ظلم Allah, vous l'avez dit, c'est celui qui est propriété. Par exemple, est-ce qu'il me propriété mon madame là? Est-ce qu'il me propriété mon madame là? Est-ce qu'Allah est mon propriété? Oui. En façon de parler, si tu as le droit de faire une dominée là, qu'est-ce qu'il y a le droit de faire dominer? Est-ce que moi, j'ai le droit de faire dominer avec mon madame qui ne pas son propriété? Ou bien si tu as le droit, Allah, tu as le droit de faire dominer, alors nous, il nous propriété. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a Allah est le propriété. Et il est celui qui a toute l'autorité, il a tout pouvoir. Il dit pour décréter de l'homme. C'est un saint, il fait de l'homme. L'eau, ce madame, l'eau, le pénalité, nous sommes à travailler. Pénalité qui s'est fait quelque chose qui est grave, comme la carrière. Au moment esclave, il décrète de l'homme, haram, l'homme, propre neuf. Alors il ne faudrait pas se faire de l'homme. Enfin, ce qu'on parle, je ne plie pas gagner de quoi faire de l'homme dans le sens qui. Moi qui ai l'autorité, moi qui ai la capacité de faire de l'homme, toi un petit commentaire de faire de l'homme. Alors, un musulman ne connaît pas le faire de l'homme. Donc, dans ce hadith là, Allah a dit qu'il était mon faire de l'homme, mon faire de l'homme, mon faire l'injustice haram, qui était mon nafs. Donc, moi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à lui-même en faisant un choix de qui était nafs. Allah ta'ala fait décret de l'homme haram, le sunnaf. Hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Yaqulullah, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يبوفجي على ثلاثة يعني القدسي الذي أنا عند ظن عبدي بي مو أفك يعني مدقق
pas ces mots esclaves, l'autre. Ça veut dire de mots réagir envers mon esclave selon ce qu'il attend de moi. J'ai beaucoup de lui, c'est qu'il attend de moi. Si vous allez me dire, voilà, donne-moi, peut-être que je ne vais pas, pas mourir. Est-ce qu'il est ouvert? Il est ouvert. Mais c'est nous qui voilà, donne-moi. Et quand il est dit, change la pégaye même. Qu'il est ouvert, qu'il a dit, beaucoup de lui. Donc, Allah Ta'ala veut dire, mon esclave se pense le moi, et dire, d'après le hadith, s'il ne me pense le moi, moi, je vais dire, vous trouvez ce qui est bon. Si, il y a une mauvaise pensée au moins, alors c'est mauvais même qu'il est beau, il est beau gagné. Ensuite, Allah Ta'ala dit, wa ana ma'ahu ila dakarani. Moi avec mon esclave, aussi longtemps qu'il y pense moi. Moi avec mon esclave, aussi longtemps qu'il y pense moi. Fa in dakarani fi nafsihi. Dakartuhu fi nafsihi. S'il y pense moi dans son nafs, moi pour penser d'amour, dans mon nafs. C'est-à-dire, si mon esclave pense moi dans ce nafs, qui veut dire nous pense à Allah dans le nafs qu'il dit? Qui veut dire? Nous pense à Allah dans le nafs qu'il dit. Nous pense à Allah, nous tous seuls. Nous ne pouvons pas faire comme ça avec du monde, nous tous seuls, dans nous-mêmes. Allah dit, moi vous pensez dans mon nafs. Moi vous pensez dans mon nafs. Ou in dakarani fi mala'in dakartuhu fi mala'in khayrin minni. S'il pense moi dans un. L'assemblée, moi je pense dans l'assemblée meilleure qui, c'est l'assemblée qui fait penser à la gare. Donc, ici dans ce hadith, qu'Allah Ta'ala veut dire, si mon esclave pense moi dans son nafs, moi je pense dans mon nafs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il existe les mêmes. Allah Ta'ala, il existe avec un nafs propre à lui. Le hadith, il y a un doigt qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والله وبسيس بروتكشن أبيك تو ساتيسفاكشن كونتو كولير وبمعافاتك من عقوبتك وبسيس بروتكشن أبيك تو باردون كونتو بينيشن وأعوذ بك منك وبسيس بروتكشن أبيك تو بين كونتو مين أبيك ساكن بسيس بروتكشن مونتال بسيس بروتكشن أبيك الله أبيك بسيس بروتكشن كونت الله أبيك الله مين ولا كونتيس مو كونتو كولير. والله ça garde pour des jours d'Allah. Personne. Alors, wa a'udhu bika minka. Wallah, moi, c'est protection avec toi, contre toi. Ya Allah, protège-moi contre ton colère. Protège-moi contre ton enfer. Ensuite, le prophète bin Ansar va nous dire, la sultana ana alayk. On est capable d'énumérer. Jamal éloge qui te mérite. On va finir avec l'éloge. Anta kama athnayta ala nafsi. Tukuma te fait éloge, l'autre propre nafs. Et toi, te fait éloge, l'autre nafs. C'est-à-dire, toi, tu connais toi, mais hier, tu n'es pas capable de faire éloge, comme un bizarre. Donc, ça, hadith là aussi, fait montrer qu'Allah Rabbul Alameen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que ça fait nafs là. Hadith qui connaît en cours de la doua, Allahumma, inna. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي ناصيتي بيدي ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك والله مبدمنت وشحن كسيتنو سميت به نفسك تفين أبل تمام فرصة تفين أبل تمام فرصة تكتو السلام تبنو qui en vérité Allah subhanahu wa ta'ala lit, non. Et ça c'est, on va dire, trop chose de base dans l'islam, ça. Une chose qui est trop claire pour comprendre. Mais malheureusement, on est tous les grands avocats. Je vous dis, je suis en soufi, ce pas de soufi. Grand avocat, grand magistrat, grand docteur. Je vous dis, une façon de parler, les chiens qui vont dire. Les chiens qui vont qu'ils ont, les chiens comme un couvre les vieilles de son âge. Qui ça les chiens qui font couvre dans son âge là? Qui ça les chiens? Qui ça les chiens qui vous demandez qui ça n'a pas rabe? Ils vous disent, on va nous apporter là. Qui ça? Mais ça va nous mal propter là. Je dis, Allah, c'est tout, c'est Allah.
Allah c'est tout, tout c'est Allah. Au sein du tout, on n'a pas fait la marge. Qui fait? Il passe au fait, il fait la marge, il fait. Il y a raison, finalement. Il fait la marge pour lui, il ne pas. Il va faire. Qui n'amène, mais pourquoi faire la marge? Pourtant, tout ça est pour Anne, Ali, il peut dire, fais la marge, fais la marge, fais la marge. Ouais, la marge, toi, fais la marge. Moi qui me fais la marge, moi, moi. Alors, guette comment? Tout ça va comme guide que nous pourrions tout faire pour Anne, faire Ali, par exemple, Ali, ce qui nous fait, qui nous fait la vie, qui nous fait la vie, qui nous fait la vie. Quran, Hadith, Quran, Hadith. Mais là-bas, quand on parle, un tel Alim, il y a ça. Un tel, logiquement, pas capable, nous capable, ni pas bon, ni bon. Quel est l'esprit simple que cause pour cela là qui va là. Mais c'est les gommes qui nous donnent la dette, c'est un qui est arrivé à aujourd'hui. Comme Guet, par exemple, ça, combien de gens qui est bien veillé par Haroun Yahya. Haroun Yahya, c'est qui? Celui qui a envie de comprendre le Coran, Aliya Lib, Haroun Yahya, Aliya Lib, Haroun Yahya, Haroun Yahya, c'est un guide, Allah Koumeye, c'est un guide, c'est pas un guide, juif, ça, on est guide, Allah Koumeye, parce que c'est une qualité libre, qui est tirée, toujours une grande, prochainement, et qui lui a envie de dire l'Aqida, ou est-ce que tu veux dire, il a envie de l'Aqida, non, il n'est pas existe, Haroun Yahya, Jaou, non, il n'est pas existe. Ou pas existe. Non, il n'a pas existe. Qui est-ce qui existe? Allah. C'est Allah qui existe. C'est Allah qui existe. Alors, qu'est-ce que ça va faire du Coran? Allah me dit, mon nafs, moi, pas toi. Moi, pas toi. Alors, ça montre qu'il y a une différence entre les créatures et les ben, créatures. Et Khalid, il y a deux dents qui nous lient grand matin. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولله نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته يا الله سبحانه وتعالى في سيدوز يتيع الله يوسي يا سبحان الله وبحمده يتيع الله يوسي سيدوز عدد خلقه نفير إلوز الله كنت تكرياتيو كينا والله نفير تو إلوز كنت تكرياتيو كينا الله شو نقول لكم كنت تكرياتيو كينا ورضا نفسي هو الله نفير تو إلوز كنت تكتو نفس كساتسفت كنت تكتو نفس كساتسفت والله نفير نفير تو إلوز كتو ساتسفت وزنة عرشي كنت تكتو عرشي للو ومداد كلماته وكانت لانت لتوبان لتوبان فاقوة دونك سافروه كي الله سبحانه وتعالى نجيك لنا النفس الدارمي كلي بن غفل بن بداك لأصوله نجيك فنفس الله هو الله نفس الله الله لي إذا هو الله 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 سو نفسه كده سي الله الله لي سي الله إليجيه. والنفس تجمع الصفات كلها نفس الله العلي ينبلوك كده لغسانده تبان صفات بين عن الله كيكو ما جاء قبل من تاني رحمه الله بجياء نبا كبا بانس الله سان صفات با إكزيس صفات سان أن نفس اسكي نوك عطوه بجياء انجمون اكسترا جنيري نسيما فاجمون Comment nous pouvons témoigner de générosité sans qu'il y ait un démon possible? Comment nous pouvons témoigner de générosité sans qu'il y ait un démon possible? Non, un chifa, un attribut n'est pas capable d'exister sans qu'il y ait un dar. Puis un dar, il y a un chifa. Alors, quand nous disons Allah, Rabbul Alamin, il n'y a pas de chifa. Impossible, quoi dire? C'est ce chifa qui rassemble dans l'idée. Un dar. Et contrairement à certains abidatis qui je veux dire, ne pas dire Allah est Ali, Allah est Samir, et qui n'a plus dit Allah. Je veux dire, chaque sifa, ne pas affirmer chaque attribut d'Allah. Chaque attribut, si nous dire Allah a plusieurs sifas, comme s'il a plusieurs, Allah, non, c'est un Allah qui a plusieurs. Je ne sais pas, il est trop simple pour comprendre pour, ce qui, pour celui qui a la zafim de Nila, la compréhension. Et ensuite, il dit, il y a un effet, il y a un nafs, un effet, un sifar. Si tu peux démentir, Allah se nafs. Tu peux démentir, Allah va vouloir nous sur un sifar. Il y a un effet, un sifar, quand tu démentis Allah sur un sifar, finalement, tu as l'alien existant.
To be called an Allah dépendant sifat, to be called an Allah qui inexistant. Alors, ça c'est concernant la nafs. Concernant la nafs, on va dire que l'imam mentionne le Coran et le Hadith. Il va mentionner ni le Coran ni le Hadith. Oui, il mentionne vidat et vidat, mais pas avec sa signification qui nous peut causer un stère. Pas avec ça, c'est l'éducation qui nous paie, c'est plaisir là. Et fidadillah, veut dire, on fait une petite chose, fidadillah, par exemple, ou plaisir là, subhanahu wa ta'ala. Tandis que, dad, comme un synonyme de nafs, il n'a pas mangé ni de Coran, ni de hadith, c'est plutôt, ma certaine maladie, c'est pas Abdul Kalam qui commence ça, et je dis là, petite chose que je dis. Mais nous dire que d'Allah, c'est Allah lui-même lié avec Subhanahu wa ta'ala. Et ça, par nous qui l'avons inventé, nous gagnons parmi les ulama, par exemple, le Mahdi Ibn Shayba, qui est mort l'année 1097, Hijri, Hijriya. ثم توارت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته. Et nous avons un récit répété, l'eau, ce sujet-là, et en quantité, qu'Allah fait créer ce trône, ensuite il fait élever l'eau, ce trône, avec qui était ? Avec ce dard. Allah, ce dard, l'eau, ce trône. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un peu mal ulama, connu, il a souvent dit, un ulama qui expliquait, dans le livre, Cheikh Abu Muhsin Abad, qui expliquait, il a souvent ulama, il dit, وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِ الْمَجِيدِ دَادِي وأنه في مكان في كل مكان بعلم يجيء ابن أبي زيد القيرواني في المولاني بصر كتبوان نف هجري يجيء الله رب العالمين يوسع عرش يوسع عرش avec ce dard tandis que ce connaissance lui est pas tout tandis que ce connaissance lui est pas tout et Allah رب العالمين يجيء فنفسه ذاته الله سو نفس c'est Allah سو dard Ce naf, c'est Allah ce dad. Et comme ça même, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, c'est un livre. وَمَعْلُمَ أَنَّ نَفْسَ اللَّهِ أَلَّتِي هِيَ ذَاتُهُ الْمُقَدَّسَ الْمَوْصُوفَ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ لَيْسَتْ مِثْلَ نَفْسِ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ Il connu qu'Allah ce nafs qui sait ce dad, il connu qu'Allah ce nafs qui sait ce dad, il y a décrit par la tribu de perfection et Allah ce nafs lui n'a pas paré comme un nafs aucun créature Allah il existe ou pas existe il existe, nous existe ou pas existe nous existe est-ce qu'il nous existe et qu'Allah se disparaît non, il n'est pas paré alors comme ça même Allah il existe avec un dard il existe avec un nafs paré comme un nafs, il existe avec un dard Mon égo, là, c'est moi, mon dard, mon nafs. C'est moi, là. Est-ce que moi, mon pari, moi, là, la pari, moi, non. Non. Ça même, c'est la peau de la guidance pour celui qui a la fin de l'église. Et c'est ça même la peau de l'égorement pour celui qui a la fin de l'église. Égoré, quand il est capable de comprendre, ou bien il n'a pas compris, ça quitte ce rose-là. Les dias, il y a plusieurs paroles, il y a plusieurs paroles, les dias. بنفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات إجيا النفس نفس للأتريب اللي نكمل كاركتيرستيك سبعة صفات لا إجيا بان صفات بكبار ما جس سبعة بان صفات دي بان النفس نفس إجيا بس كي بايدز صفات سانتات بايدز ذات سان Sifat, pas existe un djimoun qui peut aucun attribut dans lui, pas existe attribut sans un djimoun. Un djimoun, il décrit les avoir, ou bien les longs, les mecs, les gros, ou bien décrit un djimoun, il est bien long, hein? Il est bien mec, c'est pas les clair, ça n'a pas existe. Pas possible, il ne faut pas craper décrire une chose qui peut être là. Alors, Allah, on peut la même sans qui. Nous comparons avec la créature, Allah Rabbul Alamin existe. Allah Rabbul Alamin existe. Si nous ne existons pas, c'est comme ça. C'est comme ça, nous croyons d'une créature, mais sa question, il y avait une question à la haram, on n'a pas le droit de poser la question, comment Allah existe, comment Allah existe.
qui fait comme on va dire dans le groupe l'ego, elle pose question pour moi, elle ne peut pas me répondre. Pose question qui veut dire sommeil. Comment nous rentrer dans le sommeil? Comment nous sortir dans le sommeil? Pose question toujours comment aider. Réponds. Ce que nous avons dit, comment se rouvrir aider? Comment se rouvrir quand on peut sortir dans son ego? Ça les voilà vous pourrir. Roula qui continue. Comment les quitter pour la vie? Nous ne sommes pas capables de finir explique nous-mêmes, nous. Dans nous l'intérieur, qui maladie peut développer, pas peut développer, elle l'a obéi à la côté de nous. Mais nous ne pouvons pas faire ce qu'il y a dans l'intérieur. Nous n'avons pas connu, nous ne pouvons pas dire non, il y a le jour. Et comme c'est un rabat dire, je n'ai pas envie de vous finir. Je n'ai pas quelque chose qui aucun jugé par nous, aucun oreille par nous, aucun nez qui n'est pas capable, ou pas capable d'imaginer. Je n'ai pas une créature, mais vous pouvez créer une créature. Créature, Jannah c'est une créature. C'est une créature qui n'est pas capable d'imaginer. Nous pas imaginer Allah pour aider. Nous pas capable d'imaginer Allah et nous pas gagner droit. Et c'est penser Allah en mourir à l'aide de Mali, lui aider à le accepter Allah, lui existe. Al-Dahab al-Dijir, wa laysa kamithlihi shay'un fi dhati wa la fi sifati wa hadha amrun yastawi fihi al-faqih wa al-aami yatafahullah. Al-Dahab al-Dijir. Allah Rabbu al-Alamin fait un homme qui ressemble à lui, ni à Soja, ni à Sosifa, il y a ça quelque chose qui nous peut dire, ou là, 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 fait un homme qui ressemble à Allah, ni dans Soja, ni dans Sosifa, il y a cette connaissance qui va l'homme de la vie, va dire un mot la vie, et être faqir tous les deux égales à la vie. Il y a plein de choses, on va dire, un faqir, un qui a beaucoup de connaissances, il ne reste qu'on prend un diplôme là, il n'a pas de content. Qui peut la personne égale à Allah, personne ne peut ressembler à Allah. Est-ce qu'il croit un diplôme comme ça pour approfondir, il y a de la connaissance là, mais fond, là, il reste qu'on prend, non. Allah, il y en a un qui ressemble, il dit, bien, pour aller plus s'approfondir là, dans la connaissance, vous comprenez, Allah, il y a non, un diplôme là, il aussi comprend ça. Qu'Allah, pena non illegale, mais c'est pas ça qui va me bidar qui vient de Dieu. Wahhabi, tu crois en Allah, tu crois en Allah, qui dit comme ça, les comme ça, les comme ça, tu crois en Allah qui ressemble à créature, tu crois en Allah qui, comment dire, te peut dire, il paraît comme à toi. Tout ça, c'est mensonge à Jésus de nous, et qui en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'a pas dit non, il est excepté ce qu'il fait dire concernant lui-même. Ne termine pas, parole de. الشيخ الثامن رحمه الله لجي فالنفس يعني الذات هل رب العالمين سو نفس سي الله سبحانه وتعالى سو سدا هل رب العالمين سو نفس سي سو سدا دونك سا سي ان بروميير اكسبليكاسيون لو ان اتريبي د الله سبحانه وتعالى ان بتوي سي تان ليسون كان بي دي يا بوتان اي بيان بوتان سورتو كي با موكي ان جيمون كي جيت بوتا Akida qui est authentique, avec tout bâle qui a été mensonge. Alors nous, nous disons quoi de la vérité pour nous capables de défendre. Défendre la vérité, si vous avez une vidéo, c'est comme quelque chose pour Dieu. Toi, tu crois en Allah qui a l'ego, tu crois en Allah qui ressemble à la créature. Est-ce qu'il y a un certain moment où nous croyons en Allah qui ressemble à la créature? Non. Mais seulement nous croyons en Allah qui existe. Nous croyons en Allah qui existe. Donc, ça, nous ne sommes pas audibles. Sinon, les autres leçons, on peut connaître, on finit de commencer lundi. Je vais faire explication d'un petit hadith. Un hadith, il y a des hadiths, ça va nous expliquer. Mardi, nous laissons faire ici, on commencer. Concernant, voilà, à tout le monde. La fin du Coran, c'est une occasion sacrée. Nous avons juste autant. Quand on quitte à l'IVV, au bien du monde qui est déjà connu, il est capable de faire ce tajwid. Et ça, samedi grand matin, on a les sons qui commencent aujourd'hui, il y a beaucoup d'absence dans les enfants. On rappelle les parents, les sons qui ont commencé pour les enfants. On voit les enfants, c'était à 8h30, un groupe pour qu'ils gardent nos enfants en contact avec Dine. Et on rappelle aujourd'hui qu'il fait nous commencer les sons là, parce que moi-même, moi personnellement, comme vous êtes, pendant 15 ans, combien d'enfants venus me mettre à sa côte moi et combien d'enfants nous payent dit. Raison principale, c'est qu'à un certain moment, à un certain état, moi, je pousse dans les enfants. Je me dis qu'il y a le Coran, le Canama, le Coran, je vais montrer les autres enfants, c'est-à-dire. Et ça a fait payer 10 enfants là, ou à payer 10 lignes. C'est pour ça que nous commençons à m'adresser à samedi là.
Une seule fois par semaine, c'était à 8h10, pour dire aux enfants, les enfants ont mis une marasa, les enfants ont mis une marasa, les enfants ont 3 une marasa, les enfants ont 4 une marasa, ce qui a été assez une marasa, et qui, comment dire, les plus sentis qui, les visages une marasa. Par exemple, la dame vient avec une marasa, pour 2 ou 3, pour 5 une marasa, les marasa, impossible, je ne vais pas aller. Mais quand on a une garde, non, pour 6e, pour 1, pour 2, pour 3, 5, 5, 10, c'était à 8h30, puis un une madrasa, une version de l'escalibre aussi, pour trouver qu'il faisait continuer à prendre. Ça, c'est l'objectif, ça, ça, les soins qui nous pouvaient faire là, il y a pas autant. On voit les autres, les enfants, ensuite samedi après, les chamines, ils sont là. Ensuite, on prenait une autre leçon qui nous fait après un petit moment, on nous a laissé venir, on a envie de suivre, de capable de suivre. Une leçon, 3 dans 1, une leçon. Imam, qui n'a pas lu, nous fait 3 cours là-dedans. Mémorisation, on a 3-4 lettres pour Anne, qui est facile pour mémoriser, pour choisir. Et en même temps, on peut expliquer, nous faisons une leçon arabe, on peut expliquer arabe qui est dans la lettre du Coran. Et on a un petit tafsir qui nous fait, Inch'Allah. On va le faire, qui a reçu, après, qui a reçu, vous êtes capable de suivre, Inch'Allah. On va nous donner la condition pour lui, quand je peux venir commencer, Inch'Allah. Entre-temps, pour Damasie, c'est qu'il y a le Coran, il y a le droit de voir le Coran, il y a le droit de poser, celui qui a le droit de voir le Coran, il y a le droit de voir le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam.